Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Caoutchouc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'achat-revente, même si c'est pas vraiment de l'achat-revente. Une fois de plus, c'est par rapport aux compétitions. Donc, actuellement, on a une compétition tous les jours qui sort pendant 7 jours. Donc, la compétition actuelle, vous allez dans la compétition solo, c'est 4 joueurs de Ligue 1 et 4 joueurs de Ligue 2. Donc, moi, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu 4 joueurs de Ligue 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des joueurs de Ligue 2. Donc, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait. Donc, par exemple, j'ai pris des joueurs que je trouvais pas cher sur le marché. Donc par exemple, je me mettais à 500 et je prenais tout ce qu'il y avait en dessous de 500 en Ligue 2. Donc n'importe quelle carte, ça pouvait être du bronze, n'importe quoi. Les Ligue 2 valaient à peu près 1000 minimum quoi. Donc même si tu prenais une carte bronze de merde à 300, tu pouvais le remettre à 1000 crédits. J'ai investi des chrétiens. Les chrétiens, je les ai achetés à 550 crédits, voire 600. Regardez combien je les ai tous revendus. 1100, 1002, 1003, 1100, 1100, 1100, 1100, 1003, 1100. Donc j'en ai acheté plein. Vous voyez, j'ai fait un bon petit bénéfice dessus. Lipini, Diony, tout ça, c'est des joueurs que j'ai acheté en tech 59, vraiment pas cher du tout. Ensuite, toujours des chrétiens, toujours des chrétiens. Nbagoto, c'est des joueurs que dès que j'ai vu la compétition, je les ai achetés, ils étaient à 400 crédits. Tout ça, c'est des joueurs que j'ai acheté pas cher et que j'ai remis à 1003. Quand je dis pas cher, c'est en dessous de 500 crédits, j'ai pas mis plus de 500 crédits. Et à chaque fois, bah voilà quoi, je me suis fait un beau bénéfice. Deneri, voilà, j'en ai acheté plusieurs. Diabaté, pareil, je les ai achetés à moins de 500 crédits. Et tout ça, c'est des cartes que j'avais dans mon club. 800 crédits pour des cartes de merde, 750, 950, 1007 ici. Regardez tous des prix que j'ai. C'est des joueurs que vous trouvez à moins de 500 crédits, même 300, vous les avez en achat immédiat, tous ces joueurs-là. J'en ai acheté plein. Je les ai relistés à 150 prix de départ à chaque fois et j'ai mis 10 000 ou un autre prix, tu vois, les prix max, et à chaque fois j'avais des offres intéressantes dessus. Donc je vous laisse découvrir, voilà. Donc là actuellement, moi je vous allez voir la vidéo, ça ne marche plus, mais ce soir il y a une nouvelle compétition qui va sortir. Donc soyez à l'affût et faites-le directement. Par exemple, je pense que ce soir il y aura peut-être de la Ligue 2 espagnole ou de la Ligue 2 anglaise. S'il y a ça, n'hésitez pas à investir sur des joueurs, ça part super bien. Donc ici encore à Bello, Bello c'est un joueur que j'avais acheté à moins de 500 crédits. Bamba, je les ai achetés à moins de 500, pareil. Mahrez en plus, maintenant on va aller sur Mahrez. Mahrez hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un triplé sur Leicester. Mahrez hier, il était à 7000. Donc j'en ai acheté plein dès qu'il y avait le premier but, parce que moi j'ai une application qui me dit le nom des buteurs en temps réel. Donc moi j'ai vu Mahrez, j'ai acheté plein de Mahrez à 7000. Donc j'en ai vendu un ici, 10 000, 12 000, 16 500, 16 000, 15 500, 13 000, 13 000, 13 000, 12 500, 12 000, 12 000. Vous voyez, j'en ai acheté pas mal, 11 000. Donc ça a super bien marché. Donc je vous l'ai déjà dit, redit, pendant les matchs, il y a des joueurs qui mettent des doublés ou des triplés en temps réel, allez investir tout de suite dessus. Ensuite ici à Benzema, Benzema il a marqué un doublé, donc j'en avais acheté un, je l'ai acheté 36 000, je l'ai vendu 38 500. Donc je me suis fait un peu avoir dessus. Qu'est-ce qu'on avait vu entre deux? On n'a rien vu d'autre. On a vu ici Ali, Ali a mis un but pour Tottenham, je l'avais acheté à 1000 crédits, je l'ai revendu 2004. Jarro, il a mis un doublé avec Hambourg, main, je sais plus, ouais, Mayence. Donc main, je l'avais acheté dans même pas 1000 crédits, revendu 2007, donc ça vaut le coup. Donc les gars, je vous ai déjà dit, mettez-vous vraiment au courant des matchs qui sont en live. Donc quand il y a des multiplex, mettez les multiplex, l'application, dès qu'il y a des buteurs, des doublés, n'hésitez pas à investir leurs cartes. Et ici pareil, Arnautovic, les gars, Arnautovic a mis un doublé contre Manchester City. C'est une carte qui est vraiment, vous voyez, elle coûte rien, donc elle est au mini. J'ai su en acheter 4 à un prix ridicule. Mais ridicule, quand je dis ridicule, c'est même pas 1000 crédits. 2007, 2007, 2007, 4005. Parce que le joueur a été au prix mini, il est monté jusqu'à 4500 crédits. Et ici, c'est 3 Benja que j'ai acheté parce que hier, il a mis un double à Lille. Sauf que ceux-là, ils ne sont pas encore partis là actuellement. Il va y avoir des matchs là cet après-midi. Je vais regarder s'il y a des doublés ou des triplés. Je vais essayer d'investir. Mais le plus important, c'est ce soir lors de la compétition. N'hésitez pas à investir des joueurs. Si c'est Ligue 2 espagnole, n'hésitez pas à investir. Quoi qu'il arrive, les joueurs vont disparaître parce que les gens sont tous en chien, ils veulent tous faire de la charge. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère avec des plus gros bénéfices et des meilleures astuces. Allez, ciao tout le monde.